Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que je viens d'acheter chez Action. Et je voulais également vous montrer des dons que j'ai eus. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez une différence de qualité parce que j'ai investi dans des éclairages. Et du coup là j'ai des éclairages allumés. Donc dites-moi si vous voyez une différence ou si genre c'est pareil que d'habitude. Parce que je filme toujours avec mon téléphone. Avant je filmais avec mon caméscope mais au final la qualité de mon téléphone est meilleure que le caméscope. Et là du coup j'ai investi dans un éclairage. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Alors pour les dons, je voulais vous en parler. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé alors que je suis sur le groupe depuis un moment. En fait, Mel de la chaîne Happy Together 17 a une amie qui a créé un groupe sur Facebook de dons. En fait, tu partages ce que tu veux plus, ce que tu veux te débarrasser. Tu le mets en ligne sur le groupe Facebook, des gens entre guillemets postulent pour avoir cette chose en question et après c'est à toi de choisir à qui tu l'attribues et voilà, c'est donnant-donnant, tu donnes à qui tu veux, à des personnes qui t'ont déjà donné ou à tes copines, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Et voilà, c'est un groupe fermé donc malheureusement vous ne pourrez pas y aller mais du coup j'ai donné beaucoup de choses et je continue à en donner donc je suis contente parce que ça me débarrasse des choses que je ne me sers plus ou que je veux plus. Ça m'évite de les jeter parce que moi je jette très facilement et ça fait plaisir à des personnes donc moi ça me va. Et du coup après Mel récupère, enfin en fait elle est référente de sa commune, enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros à chaque fois elle me donne et moi je lui redonne des sacs à donner, à attribuer aux autres filles. Bref, donc du coup je vous montre vite fait ce que j'ai eu comme don. J'ai eu ceci, donc c'est un coffret avec un petit livre de bébé et une petite peluche, donc c'est pas pour moi. Voilà, il y a quelqu'un de mon entourage qui attend un bébé et du coup c'est pour cette personne-là, donc je suis contente. Ensuite j'ai eu des lettres comme ça en mousse à coller pour le bain, donc ça je suis super contente parce que je voulais en acheter justement. Sauf que sur Amazon, genre les petites... Enfin là c'est... Oui là c'est des lettres. En l'occurrence sur Amazon c'était des chiffres, c'était 10 euros et là du coup bah, je les ai eus. En fait avec l'eau ça colle aux parois du bain donc ça va être génial pour Raphaël. Ensuite donc là il y a les mots en fait pour savoir qui a donné après pour pouvoir remercier. Pareil il y a un petit bouquin avec les premiers instants de bébé quoi, les premiers souvenirs avec Sophie la girafe. Donc ça je suis trop contente. Ensuite j'ai ceci, donc ça c'est trop joli, j'adore. Voilà, il y a des petites housses pour ranger. Je trouve ça magnifique. Je suis totalement fan. Donc, un petit pyjama, pareil, j'adore. C'est minuscule. Hein. Quand je vois Raphaël à côté, je me dis waouh. C'est du 3-6 mois. Donc, dessus, c'est marqué. Ils ont parlé de moi pendant 9 mois. Maintenant, ils vont m'entendre. Donc, j'adore. Il est blanc, donc c'est top. Ensuite, j'avais un plaid. Winnie l'ourson. Donc, il se présente comme ceci. Ensuite, j'ai eu. Alors, ça, c'est de la moutarde saveur truffe blanche à l'huile d'olive. Donc, trop joli déjà. Et ça m'intriguait. Donc, j'ai hâte de tester. Et un petit pavillon en jouet pour baby. Donc, ça, c'est cool. Il kiffe les avions et les hélicoptères. Apparemment, à la crèche, on dit ça. Ensuite, il y a une boîte comme ça, c'est un humidificateur. Voilà, faut juste passer un coup dessus, il est un petit peu sale, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, il y a trop de choses, franchement. Ah, ça, je suis trop contente. Ah, par contre, ça n'a pas le petit bâtonnet avec. Bon, c'est pas grave. Je sais plus comment ça s'appelle, xylophone. Ça fait longtemps que j'en voulais un pour Raphaël, du coup, je suis super contente. Il va pouvoir éclater avec ça. Ensuite, j'ai eu une cire comme ça, toute neuve. Donc, vous voyez, il y a vraiment des dons super. Donc, si vous voyez de la poussière, je suis désolée. C'est une cire d'Institut Efficacité Poils Très Courts. Donc, moi, je suis plus rasoir, mais du coup, je vais tester. On verra bien. Ensuite, on a ceci. Donc, ça, je ne vous l'ouvre pas, mais c'est un présentoir pour faire sécher les biberons. Donc, je suis super contente. Hop! Ensuite, pareil, je vous la déballe pas, mais il y a une housse de couette, une personne Winnie. Donc ça, je suis super contente pour mon baby. Toujours dans les dons, j'ai eu cette paire de chaussures qui est totalement neuve, donc en 41, parce que je suis du 41. Trop jolie, en plus, vous voyez, mon gilet. Enfin, je suis à fond dans le Bordeaux en ce moment. Un sucre comme ça, aromatisé à la fraise, en moulin. Donc ça, j'adore. Moi qui adore faire la cuisine, la pâtisserie, je suis trop contente.
Ensuite, j'ai acheté des choses à Karine, donc de la chaîne Karine Miss Book, qui sur son Facebook vend des produits. Donc je lui ai pris des produits. Tout d'abord, j'ai pris un soin toilette intime de chez Roger Cavalier. J'ai jamais testé cette marque et j'en entends pas mal parler, donc je suis trop contente de tester. Et en plus, j'avais plus de gel intime, donc c'est super. Et je lui ai pris, je vais y arriver, un lot, le lot comme ça, L'Oréal de masques, vous savez, les trois masques à l'argile. Donc je suis super contente parce que ça fait super longtemps que je voulais tester, mais je trouve qu'ils sont pas donnés ces masques là. Donc là je suis super contente de les avoir eu d'occasion, ils sont quasi neufs. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester. Hop. Et ensuite donc j'ai gagné sur la chaîne de Karine, donc de la chaîne Karine Miss Boop, enfin qui le faisait sur son Instagram, son concours qui proposait donc un soin blancheur pour les dents de chez Mercy Andy avec un dentifrice. Donc je suis super contente parce que ça pareil je voulais tester. Donc j'ai hâte de tester, je pense que dès demain je vais commencer et je vous tiendrai au courant sur Instagram. J'y suis passée parce que j'avais besoin de coton et de 2-3 bricoles et comme d'hab je suis repartie avec pour 39€ quoi. Donc j'ai pris deux paquets de coton comme ça à 83 centimes, j'en avais plus, j'en utilise beaucoup moins des cotons maintenant parce que je me démaquille avec la lingette démaquillante. Mais comme je vous disais, j'ai ma conjonctivite, du coup là je favorise le coton pour quand je me nettoie mon œil. J'ai pris du papier toilette, pas intéressant mais voilà. Ensuite j'ai pris ceci, je vais essayer dans la salle de bain de le mettre. Ah si, il y a des trous, j'allais dire il n'y a pas de trous pour faire évacuer l'eau, mais si. Pour l'accrocher et pouvoir mettre les gels douche, parce que j'en ai marre que les gels douche tout, soit partout en fait autour de la baignoire, ça gonfle. C'est bordel. Ensuite, nouveauté, enfin dans mon action, d'ailleurs je ne trouve toujours pas les boules de bain, je suis dégoûtée. Je vais demander aux copines d'ailleurs si dans leur action elles y sont, parce que moi je les trouve pas, ça me gonfle. Donc c'est à quoi ça? Ils disent pas. Non. C'est des patchs comme ça pour mettre en dessous les yeux. J'ai les ongles dégueulasses. Donc j'ai hâte de tester parce que j'ai des grosses cernes. Hein. Ensuite je voulais absolument du liquide lave-glace. Il n'y en avait plus, c'était en rupture vu comment il a neigé, ça m'étonne pas. Du coup j'ai pris ça en attendant d'en racheter. Bon ça n'a rien à voir, c'est un dégivrant. Mais je me suis dit c'est pour le pare-brise. Donc voilà, bon il dit jusqu'à moins 45 degrés le jour, on arrivera à moins 45 degrés ici. On en reparle, mais en attendant j'ai pris ça, c'était 1,69€. Ensuite j'ai craqué pour ces petits cahiers là, j'en ai absolument pas besoin. Mais j'ai trouvé trop beau et je me suis dit maintenant que j'ai le cookie haut, les petites recettes comme ça que je trouve sur Facebook ou sur YouTube, je les noterai là-dessus et voilà, tout simplement. Et dans le même esprit, j'ai pris les deux petits carnets comme ça à spirale. Franchement, j'avais envie de prendre toute la collection, mais ça serait inutile. Donc ça, par contre, ça sera pour faire mes listes de courses et les menus de la semaine, voilà. J'ai décidé d'un peu mieux m'organiser niveau bouffe. Ensuite, j'ai pris comme ça une petite balle pour Raphaël. J'ai repris des petits sacs congélation. Ça, c'est 39 centimes, je crois. J'ai pris des bâtons de colle comme ça. C'était 69 centimes et c'est des gros. Donc ça, c'est pour le boulot. Une barre comme ça de céréales Malteser à 79 centimes. Ça, c'est une tuerie. Et ensuite, j'ai pris des tags. Donc ça, c'est pour les copines parce que moi, j'en ai déjà acheté. Donc, Mel et, donc Mel de la chaîne Happy Together 17 et Nini de la chaîne Les Folies de Nini m'ont demandé, puisqu'elles ne le trouvaient pas dans leur action, si je pouvais leur en prendre. Donc j'en ai pris sans problème. Du coup, j'ai pris comme ça les tags La Reine des Neiges. À chaque fois, j'en ai pris deux ou trois. Donc, comme ça, elles en ont toutes. J'ai pris en fait en sorte que toutes les deux les aient toutes. Et j'en ai pris aussi en plus pour Karine, parce qu'elle en voulait quelques-uns. Donc j'ai pris Mickey, Pluto, Dingo, tout ça. Picsou, machin. Les princesses. Franchement, ils sont trop beaux. Winnie. Mini, je sais pas si je voulais montrer. Et après les autres, ils sont en double. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour Mel, Nini et Karine. Donc je suis super contente de mes achats. J'ai acheté aussi deux grandes boîtes de rangement pour les vêtements de Raphaël. Donc ça je vous les montre pas parce qu'ils sont dans le salon. Vous savez, c'est les grandes boîtes de rangement avec le couvercle à roulettes. Donc voilà, c'est tout pour mon haul Action. Je pense que je vais me calmer un peu avec Action parce que là je commence à y aller régulièrement et à racheter de la merde, à racheter des conneries. Donc on va se calmer. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué vous aussi chez Action ces derniers temps. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.